À Villahermosa, capitale du Tabasco, il y a le parc archéologique de la Venta. C'est un parc archéologique, mais pas seulement. Quelques singes araignées esquissent un pas de danse inédit au fond de leur cage. Quant à lui, le margaï, la plus petite des panthères, s'ennuie à mourir. Idem pour les jaguars qui font la sieste à longueur de journée et à défaut, chassent les mouches. Et là, j'ai l'impression que quelqu'un me regarde d'un air gourmand. Plusieurs espèces de gallinacées et autres psittacidés retrouvent une relative liberté dans une immense volière, dans laquelle nous sommes conviés d'ailleurs. Les canards cancanent pendant que le paon se pavane et fait la roue. Et là, j'ai l'impression d'interrompre le conciliabule des aras militaires et chloroptères. Les Amazones sont sympas et posent volontiers en ma compagnie. En même temps, je ne comprends pas le langage de ces pintades. Et bonjour, monsieur Duoco, comme vous êtes joli, comme vous me semblez beau. Et à l'écart, nous faisons la rencontre d'un toucan. Autre rencontre, peut-être un peu moins sympathique celle-là. Quoique, mon nom est Peck. Peck Harry. Le parc archéologique de la Venta, c'est aussi l'endroit où beaucoup de sculptures de la civilisation Olmèque ont été rassemblées. À l'origine, la Venta, c'est le nom d'un site archéologique Olmèque. Mais comme le pétrole s'est intéressé aux terres Olmèques, toutes les sculptures et tous les édifices qui étaient épars dans cette région ont été rassemblés pour être évidemment sauvegardés. Quelques coatis facétieux se promènent, çà et là, dans la nature. Pendant que nous admirons ces blocs sculptés, qui étaient en fait des autels olmèques, un singe regarde le ciel. Le coati, Nashuanarica, est un proche parent des ratons laveurs. C'est un procyonidé. La beauté de ces sculptures, les animaux qui le peuplent, font que la Venta est un endroit absolument incontournable au Mexique.